Space. The final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Ben bonjour tout le monde, ben c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 17 juin et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un mot du vendredi un peu différent, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Comme vous avez pu le voir, ben ça y est, je sors du placard. Je suis officiellement un fan fini de Star Trek. Et en ce qui me concerne, un fan depuis, je vous dirais, début des années 90. Et pourquoi je suis un fan de Star Trek? Parce que c'est une... Oui, bien sûr, c'est une série extraordinaire qui est très intéressante, mais surtout parce que c'est une série très intéressante au niveau sociologique et au niveau psychologique, au niveau des tendances des sociétés. Space, a final frontier. Dès 1966, son créateur, Gene Roddenberry, voulait faire de cette série-là quelque chose d'innovant. A priori, le créateur était un peu un utopiste et, en quelques mots, Star Trek présente une société future positive et voulait donner un élan positif à la société dans laquelle il vivait. Et tout au long des dernières moutures de Star Trek, cette idée-là derrière Gene Roddenberry a toujours été gardée. Même en 1966, lors de sa création, Star Trek a innové beaucoup, a amené beaucoup d'éléments pour faire brasser un peu la société. On peut dire que Star Trek a traité des sujets délicats, mais toujours sous l'angle de la science-fiction, pouvant peut-être faire évoluer la société dans laquelle il vivait. On a parlé de guerre épais, d'autoritarisme, d'impérialisme, de lutte des classes, d'eugénisme, de géopolitique, de racisme, de droits de l'homme, de sexisme, de féminisme. Plus récemment, on a parlé d'homosexualité et même le phénomène des transgenres où les gens veulent. Et toutes ces questions délicates-là qui sont bien ancrées dans la société du moment ont été traitées par Star Trek d'une façon innovante. Il faut se rappeler aussi que Star Trek, ça a été un peu le berceau de plusieurs innovations. On peut parler du premier équipage féminin. On a eu la première actrice afro-américaine qui avait un premier rôle là, aux États-Unis. On peut parler aussi du premier rôle d'un personnage russe en plein milieu de la guerre froide. On peut parler du premier extraterrestre. Qu'il faut se rappeler, dans ces années-là, l'extraterrestre était vu comme un envahisseur méchant. On peut parler plus récemment de la première femme capitaine, en 1995, avec Janeway. On peut parler aussi d'innovation technologique, le iPad et même l'acronyme iPad. Le flip phone, c'est Star Trek aussi. Donc, Star Trek a tellement influencé notre société et même jusqu'à ce que la NASA nomme la première navette spatiale Enterprise avec l'équipage Enterprise dans ce but-là. Star Trek aussi, ça a été aussi une démonstration des leaders du moment. Et c'est important quand même de prononcer ça à vous, les leaders. T'sais, on a eu le premier leader un peu cow-boy, un peu amusant, un peu macho, qui était très à l'image des années 1960. On a eu un peu plus tard, des années 90, le leader sage, le leader Guardian, très sérieux, qui rassure tout le monde, qui contrôle ses émotions dans Jean-Luc Picard. On a eu le leader émotif, celui qui laisse aller ses émotions, et même ce Cisco-là, le premier papa monoparental africo-américain aussi, à faire les deux boulots, c'est-à-dire capitaine et papa en même temps. On a eu le leader idéaliste, le bâtisseur, celui qui voulait créer des choses dans Archer. On a eu la première femme forte leader, le capitaine Janeway, qui était vraiment très présente autour. Et on a eu aussi des leaders, preuve du temps aussi, on a eu aussi des leaders torturés qui ont de la difficulté à assumer qui ils sont et assumer leurs gestes.
Et finalement, ben bien sûr, on a eu, comme on a eu dans le passé, des leaders manipulateurs, des leaders négatifs qui manipulaient la vérité. Tout ça, ça a été un peu, finalement, le reflet des différents leaders qu'on a eu aujourd'hui. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a une nouvelle série qui vient de sortir, Strange New World, avec un nouveau leader qui, à mon humble avis, est à peu près le meilleur leader là, que Star Trek a pu créer. Et c'est de ce leader-là que je voudrais vous parler, le Capitaine Pike. Trêve de discussion, on va parler aujourd'hui des 8 leçons du Capitaine Pike qui s'adresse très très bien à nous comme leader moderne. La première leçon du Capitaine Pike, c'est « Le leader stimule la conversation et l'échange entre ses gens de confiance. Il écoute authentiquement les autres et tranche lorsqu'il le faut. » Le leader moderne aujourd'hui doit nécessairement écouter son environnement, doit nécessairement écouter son réseau de confiance, écouter les gens, parce que finalement, il a bien compris qu'on arrive à la deuxième idée, que finalement les meilleures idées peuvent venir des autres et souvent viennent de l'environnement autour. Il s'entoure de bons spécialistes, de gens qui ont une idée derrière lui et c'est pour ça qu'ils sont proches. Donc, il les écoute. Troisième leçon du Capitaine Pike, le leader assume totalement ses responsabilités, directement ou comme chef d'équipe. Il est la pierre angulaire du succès et l'échec de son groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vraie vie, un leader, ça assume. Ça assume, c'est son équipe, il est là autour, il ne fait pas le travail pour les autres, il assume le groupe. Et encore une fois, le leader a compris que 1 plus 1 égale 3. Quatrième conseil du leader, le leader fait sa propre idée des choses et combat les préjugés, les idées préconçues, les perceptions du passé. C'est important parce que justement, ces fameux préjugés-là, il est conscient que les autres ont des préjugés, que lui a des préjugés, mais il est toujours en train de les combattre, de se faire sa propre idée et de pouvoir, il n'y a pas de certitude dans la vie, il faut y réfléchir puis les combattre. Cinquième sujet, le leader assume totalement ses erreurs, bien sûr, puis ne tente pas de se cacher derrière des causes extérieures. Trop souvent, j'entends encore des gens vont dire, ben écoute, si ça n'a pas fonctionné, c'est à cause de la planète, c'est à cause du marché, c'est à cause de la vie autour. Non, c'est pas à cause de tout ça. On essaie de voir, on vit dans cet environnement-là, puis en fonction de cet environnement-là, on organise le système. Sixième, le leader assume sa propre vulnérabilité. Il est conscient de son rôle, de ses responsabilités, puis des fois, il est un humain comme les autres, puis il faut qu'il l'assume. C'est tout. C'est important quand même d'assumer cette réalité-là. Comme j'ai déjà dit à certains leaders, c'est normal de mettre un genou par terre. L'important, c'est de se le relever après. Septième conseil, le leader combat le cynisme, combat la démoralisation et le désespoir. Plus particulièrement dans ce contexte post-pandémique-là, les gens ils sont fatigués, les gens en ont eu beaucoup. C'est important de leur remonter le moral. C'est important de voir le côté positif des choses, de rester optimiste. Nos gens en ont besoin, nous on en a besoin, puis eux en ont besoin. Et finalement, le leader n'est pas manichéen. C'est quoi manichéen? Il n'y a pas des bons et des méchants. Le leader n'essaie pas de dire que c'est la faute aux méchants. Parce que justement, cette réalité-là de bon et méchant, ça paraît simple pour les gens, mais dans la vraie vie, c'est très complexe. Parce qu'il a compris que l'ennemi de demain deviendra l'ami d'aujourd'hui. Donc, c'est important, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, le monde ne se sépare pas en deux. Et finalement, et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est que le leader a foi en l'humanité. Il va toujours garder l'espoir du monde meilleur. L'optimisme est important. Et c'est important parce qu'on en a encore plus besoin après ces deux années de difficultés-là qu'on a passées. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que je ne vous ai pas emmerdé avec mes histoires de Star Trek. Je ne voulais pas en faire de vous des fans, mais pour moi, c'est tellement important. Donc, je voulais vous parler de cette énergie-là positive que pouvait donner une série qui est quoique banale. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et comme on dit dans le milieu, live long and prosper.